Salutations spéciales pour mes amis. Je dis à c'est avec un peu de content qu'il nous rejoignent pour que nous soyons capables de poursuivre avec l'étude leçon école sabbat pour ce maintenant. Mais bien avant même que nous entrions dans l'étude là, on a prié bon Dieu. Nous faisons louange pour vous, bon papa, parce que vous méritez ça. Merci parce que vous avez nos possibilités, je dis encore une fois, pour nous étudier l'autre portion de la parole. Déjà, nous avons une bonne intelligence pour que nous comprenions la parole et arriver à mettre en application. Nous n'avons pas de mérite, mais pour ça, nous pouvons nous Jésus. Amen. Ce maintenant, nous connaissons déjà, nous avons la leçon 5, et le thème de la leçon, c'est les enfants de la promesse. Et verset pour lequel bien la tête nous, c'est Matthieu chapitre 28, verset 20. Changez ça bien, m'appela avec nous tous les jours, jusqu'à Kaba. C'est le texte que nous avons pour nous mémoriser pendant ce maintenant. Je dis, qui c'est mardi 27 avril, nous parlons ensemble, partie de la leçon qui titrait La promesse du Messie, deuxième partie. C'est ça que nous parlons ensemble jeudi. Nous avons commencé la leçon avec une citation d'un auteur qui est Thomas Boiron. Il dit nous comme ça pour nous connaître véritable bonheur, il faut nous quitter l'espace côté nous pour aller dans l'autre pays qui est très éloigné. Il dit parfois, il faut nous même oublier tête nous. Et là, nous lit attentivement citation ça et qui gagne environ 1500 années depuis qu'elle était écrit. Est-ce que je dis à nous d'accord avec ça qui écrit là? Est-ce que vraiment ça avec nous d'accord? Mais on nous jeter un coup d'œil tout à travers la Bible pour nous. Est-ce que parole ça lui-même lui gagne sens? Nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 18 et Apocalypse chapitre 3 verset 12. Laisse ça. N'attendez un gros l'autre passé. N'attendez voir chef ange là ensemble avec toutes les ronds bondir. Et puis Seigneur a même va descendre sur le ciel là. Moun qui te mette confiance dans Christ là, les ont mouri. C'est eux qui va lever sorti vivant en premier. Après ça, nous même qui va vivant toujours les ça, y a vinn prend nous même ensemble avec moun qui sorti vivant dans la mort yo, y a metté nous sous nuage pour nous rencontrer Seigneur en haut. Comme ça, nous tous n'ap toujours ensemble avec Seigneur, c'est pour nous yon encourager l'autre avec parole sale. Et le texte que nous voyons lire c'est Apocalypse 3 et verset 12. Tout le monde qui va goumen jouk yo gen bataille là, m'a fait tourner un gros poteau dans kay bon Dieu. Après ça, yo pa jam sorti, m'a marqué non bon Dieu ensemble avec nous dans la ville bon Dieu. L'autre Jérusalem k'ap descend dans ciel là sous yo. M'a marqué non m'a marqué l'autre non moyen sous yo. Eh bien, nous avons Saint Augustin, et monsieur écrit à propos de condition l'homme, pour faire comprendre, et l'elle garde toute la race humaine, pour lui-même, depuis à l'origine, nous avons monde qui condamné. Et il n'est pas capable de parler de vie ça comme étant une véritable vie, pour qui raison? Parce que c'est bagaille mal seulement, c'est crime, c'est ça seulement, l'Iwe qui remplit avec vie ça. Et il considérait, eh bien, descendant. Eh bien, Adam yo, eh bien, yo plongé dans erreur, yo tombé dans série de bagages qui difficile. Pendant ce temps, pour yo pas cap affranchir sans que yo pas travail, sans que yo pas connait douleur, sans que yo pas connait la crainte. Et il pral poser cette question pour dire, eh bien, l'elle garder monde là, affection qu'il ouais dans monde là, il mandé qui ça bagage ça même yo veut dire. Pour lui même affection yo vain, yo nuisible parce que qui ça ouais, lui c'est tristesse. Et c'est inquiétude, hein? C'est fausse joie, c'est querelle, c'est procès, c'est crainte, c'est inimitié, c'est tromperie, fraude, flatterie, c'est la cruauté, la méchanceté, débauche, ambition, orgueil, rapine, et l'envie, parricide, homicide. Tout ça, regardez, c'est adultère, fornication, c'est ça qu'il y a, inceste, homosexualité. OK, c'est tout genre de bagaille ça yo. Et bien les mêmes l'a regardé, et bien il dit bon, vie en réalité pour les mêmes, il pas cap considérer ça comme une vie parce que c'est blasphème, c'est hérésie, c'est parjure, c'est oppression des innocents, c'est calomnie, c'est surprise, c'est prévarication, c'est faux témoignage, c'est jugement injuste, c'est violence, c'est brigandage, c'est en plus l'autre malheur encore. Et bien qui embrasser, penser nous, et bien qui fait vie ça, je dis. Mais imaginez si c'est seulement et vie ça qui nous te gagne, nous même en tant que chrétien. Même Jean-Paul dit, nous avons des gens qui sont plus malheureux, et bien ici-bas. Et bien, citation Augustin, hein, et il est capable d'appliquer avec nous, je dis. Ok, parce que je dis,
Et même les paroles, ça, les écrit depuis 1500 années, mais ça n'a pas empêché les paroles, ça, de toujours été en vie, parce que toujours il y a des bagailles mal qui a fait, même jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a pas eu crash changement qui fait là-dedans. Ok, c'est la raison ça qui fait qu'il y a plein de monde qui t'a aimé échapper en bas malédiction qui a connu aujourd'hui dans la vie, ça. Heureusement, quelle que soit la difficulté que nous sommes capables de rencontrer aujourd'hui, quel que soit les gens qui sont là aujourd'hui, eh bien, il y a un bel avenir que bon Dieu lui-même nous promet. Grâce avec bon Dieu, et grâce avec bon Dieu, grâce avec ça que bon Dieu fait pour nous, à travers la vie, la mort, la résurrection et le ministère sacerdotal de Jésus, eh bien, dernier, eh bien, promesse bon Dieu a qu'il a fait avec Abraham, eh bien, nous allons hériter. C'est-à-dire, nous pourrons gagner la vie éternelle lorsque, bon Dieu dit avec Abraham, la fête vient de devenir une grande nation et toute nation sous la terre a besoin de bénédiction à travers elle. Même Jean de son précédent, il te dit, c'est-à-dire, c'est à travers Jésus eh bien, qu'il est capable de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, même les nouvelles vies, je dis, c'est insécurité, c'est crime, c'est grand goût, c'est trouble qui envahit le monde. Mais bon Dieu, il quitte quelque chose de meilleur pour nous parce que bon Dieu, il promet nous là-bas, nous, la vie éternelle. Réfléchis avec citation Saint-Augustin. Avec propre mot par, essayez de rédiger un paragraphe pour décrire la situation mondiale aujourd'hui. Et puis, allez dans la Bible, cherchez tout texte biblique, et bien, côté qui vous même capable de jouer, et qui parle de ça, bon Dieu, pour maintenant à travers Jésus. Par exemple, dans Exode, dans Ésaïe 25, verset 8, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, dans Apocalypse 22, verset 10, 2 à 5, et puis, essayez de méditer sous promesse à vous, et puis, faire promesse à vous, venir promesse par vous, et puis, alors, vous pourrez capable comprendre vraiment l'alliance que bon Dieu lui-même a fait avec Abraham lorsqu'il a dit, la fête toute nation, yo, et bien, j'ai une bénédiction à travers lui-même. En gros, c'était la leçon pour aujourd'hui, à qui c'est mardi 27 avril, la promesse du Messie, deuxième partie. Avant nous aller, à nous prier, bon Dieu. Nous faisons louange pour vous encore, éternel, notre Père, notre Dieu, parce que vous méritez ça. Merci parce que vous apprenez nous, et bien, que vous faites nos promesses de une vie qui est meilleure par rapport avec ça que nous connaissons aujourd'hui. Aidez-nous vraiment pour que nous soyons capables, et bien, de croire dans l'enseignement, ça y est, afin que même nous souffrions aujourd'hui, et pour nous connaître, ou gagner un bonheur sans fin que vous réservez pour nous. Restez ensemble avec nous, permettez que nous fassions confiance, et qu'on s'en va à vie, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous n'avons pas de mérite, même pour qu'on s'en donne Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude, et à la prochaine.